Oui, on rentre dans le championnat des qui ne nous concerne pas, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'on le voit, les entraîneurs. Il y a le championnat et même les supporters. Il y a l'idée où on peut se mettre en valeur, comme je dis aux garçons, on peut vraiment. Moi, j'ai dit, je ne peux plus jouer, je suis beaucoup trop vieux, je regrette parce que c'est vraiment le genre de match où on a envie de se dire les joueurs, en collectif, peuvent se mettre en valeur, quoi. Je me dis, peut-être que mes gars, ils vont être capables de le faire, ce que je leur ai dit. Soyez excités à l'idée de faire des trucs contre Lille, contre Lyon, contre Paris. Voilà. Il faut du caractère, de la force, de la Que tout le volonté. monde soit à son meilleur niveau pour faire Oui, il l'histoire. faut pas de faille. C'est-à-dire que si tu as un joueur là dans ce genre de confrontation, et on l'a vu même contre Valenciennes, tu n'as pas droit à beaucoup d'erreurs, très très peu d'erreurs, beaucoup beaucoup moins qu'en Ligue 2 et encore moins qu'en National évidemment. Là, s'il y a un joueur qui est défaillant, il est mort. Voilà. Il faut espérer qu'il y en ait un qui soit très défaillant face aussi, ce qui est moins joué à l'avance parce qu'ils ont souvent des joueurs qui ont de l'expérience, quoi. Par rapport à l'an passé, c'est que, et sur l'aspect défensif, ils ont été très très souvent fébriles, 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 donc ils ne peuvent pas le nier, très 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 souvent fébriles. Et c'est vrai que leur potentiel offensif est colossal, et c'est ce qui leur a sauvé l'année dernière, en plus d'un état d'esprit. L'Olympique Lyonnais, c'est un état d'esprit de clocher, hein, où on le voit depuis plusieurs années, une combativité exceptionnelle, solidarité purement lyonnaise qui fait qu'ils sont devant. Mais n'empêche qu'au football, on peut pas mettre, pour que ça soit clair, que les supporters ne pensent pas que je sois quelque part défaitiste, comme on l'évoquait, on disputait le même championnat. Mais en fait, en revanche, ce qui est génial, c'est qu'on voilà, on dispute le seul sport au monde, personne ne m'en a cité un autre, qui permet aux plus démunis, aux moins doués, de gagner des confrontations contre les plus riches et les plus doués, les plus talentueux, parce que tout simplement, il y a une très grande surface de jeu et un tout petit but, qui est tout petit par rapport au fait qu'il faut envoyer le ballon avec le pied dans ce but-là. Et donc, l'incertitude est très très importante.